vers Bagnères-de-Luchon avec un posé sur l'aérodrome de Saint-Girons pour mise en route en automatique de la caméra fixée sur l'aile droite de la Numan. Je m'aligne avec la Numan sur la droite de la piste pour décoller de Saint-Girons. Serge, qui fait partie du voyage, s'aligne sur le côté gauche de la piste avec son Savannah. Et voilà, c'est parti en direction de Bagnères-de-Luchon. Un paysage éblouissant. Nous pénétrons dans la vallée de Bagnères-de-Luchon. Pour éviter tout risque de collision, pour le vol en montagne dans une vallée, la règle de sécurité est de se tenir à droite de la vallée. Cette vallée fait une longueur de 30 km. Bagnères-de-Luchon se situe au fond de la vallée. Thank you.
Bannière de Luchon, bonjour. 34 Alpha Hôtel Victor, à vue de vos installations. On va s'intégrer pour la piste main droite, pour la piste 01, en passant par la verticale de vos installations. On descend progressivement vers 500 pieds sol. Bannière de Luchon, Hôtel Victor, vente arrière, main droite pour la piste 01, ce sera pour un complet. Hôtel Victor, dernier virage pour la piste 01. Hôtel Victor, finale 01 à Luchon. Le 17 avril 2013, nous roulons pour le parking à Luchon. Hôtel Victor, on quitte la fréquence. L'ambiance ici, c'est absolument incroyable. Ah, c'est magnifique le coin. C'est magnifique. Voilà, et tu as vu, on a fait le vol en un peu moins de 2 heures. Un peu moins de 2 heures, j'espère que c'est le même pour le retour. On aura un petit peu... Un petit vent de face peut-être. Léger, on verra. Allez, on va aller au resto, hein. Ah, bon appétit alors. Allez. Le DR400 Régent, 180 chevaux, qui remorque les planeurs à Bannière de Luchon. L'ULM Savannah de Serge, qui a fait le voyage avec nous. Raconter les mecs là. Je parle. Alors dis-nous Maxou, qu'est-ce que t'en penses de ce vol? Très bien, ça va. Hein, ça t'a... Tu t'es régalé, hein? Oui. C'est autre chose que de voler en pleine, hein? Et David, l'autre trésorier, il y a beaucoup de pognon à la caisse, hein? Pas assez pour moi. Mais non, pas assez. D'accord. Il faut que tout le monde double le abonnement. Ah d'accord. Et je vais prendre une vacance. Alors on va faire une assemblée, on va doubler les abonnements. Ça, je vais partir en vacances.
les parapentes décollent de super bannières et atterrissent sur l'aérodrome. Ça fait pas mal ça. Alors Serge, que pensez-vous de Bannière de Luchon? Bannière de Luchon, con. Ben, putain, moi j'étais venu faire du ski ici, mais je pensais pas venir en avion un jour. Hein. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. J'ai eu du mal à vous suivre, hein, monsieur Jean-Claude. Vous voulez beaucoup trop vite pour moi. Ah bon? Ouais. Ah, tu parles. Pipo. Ah, pipo. Il faut demander à mon copilote, hein, n'est-ce pas, Max? On a failli se perdre. Et alors Max, toi, qu'est-ce que t'en penses? Allez. Très joli, je suis très content d'être là. Ah, c'est bien. Voilà, la prochaine fois, il pilotera. Mais il a piloté, tu l'as laissé piloter un peu, non? Oui, il m'a rendu le manche, il en est mal. Ah bon, t'as la mémoire? Sans déconner. Pas assez expérimenté. Oh, pourquoi ça t'aurait fatigué de piloter aussi longtemps? J'aurais coupé le manche. Ah, pourquoi? Si tu coupes le manche, comment tu fais pour voler après? Tu peux plus voler. Et pardi. Allez. Et on va se faire un bon petit gueuleton. Hein. Allez, à la vôtre. Hein. Alors David, oui. Qu'est-ce que tu en penses de ce voyage? C'est un des plus belles endroits en Italie jusqu'à présent. Ah ben c'est bien. Super. Et voilà, il est 15h15, après en avoir pris plein les yeux, nous repartons pour la base de Sauvillan. Devant nous, le Savannah de Serge, qui s'aligne piste 01. Luchon, Hôtel Victor, on décolle piste 01. Thank you.
Notre sortie en vol se termine. Nous voilà déjà en finale sur la base ULM de Sauvillan. Sauvillan, Hôtel Victor, finale piste 11.